Nous sommes donc le 28 juin, ouverture d'un nouveau vlog. Donc, juste pour vous prendre, pour vous dire, donc j'ouvre le vlog en ce 28 juin. Là, le temps est mitigé, il fait chaud, mais un peu couvert. J'ai les cheveux en... Voilà. Enfin, je recoupe là, j'ai une mèche là, enfin, je recoupe. Donc voilà, donc sinon, tout va bien, je vais bien, pas de soucis. Donc voilà, donc pour l'instant les chiens vont bien, les cochons vont bien, tout le monde va bien, la famille va bien aussi. Donc voilà, donc pour l'instant voilà. Et en fait, je voulais revenir sur mon vlog précédent où je disais le titre c'était croire à l'horoscope, mais en fait c'était pas l'horoscope que je veux dire, c'est croire au tarot et aux oracles, croire au tirage de cartes en fait, surtout ça parce que j'ai regardé plusieurs vidéos sur le tirage des vierges pour juin, juillet, tout ça, et elles sont toutes d'accord, dans les cartes c'est toujours pas les mêmes qui sortent, mais c'est toujours les mêmes conclusions, comme quoi je vais enfin sortir de ma spirale dans laquelle je me suis enfermée, que je vais rencontrer quelqu'un, que je vais enfin vivre une vie que je mérite. Ils sont toutes d'accord dessus. Toutes, parce que j'ai vu que des femmes, elles sont toutes d'accord dessus. C'est toutes les mêmes conclusions en fait que j'ai vues. C'est toutes les mêmes conclusions, excuse-moi, c'est toutes les mêmes conclusions que j'ai eues. Et après, même ma meilleure amie m'avait tiré les cartes et elle m'a dit exactement la même chose. Donc, et ma meilleure amie n'est pas une grande, on peut pas dire voyante, mais ouais. Elle a un don de médiumité, c'est sûr. Mais là, elle le développe de plus en plus rapidement. Elle s'est mise aux oracles, elle s'est mise aux pendules. Donc voilà, donc personnellement, je la soutiens là-dedans. Si elle sent qu'elle a son don qui se développe, attendez, si elle sent qu'elle a son don qui se développe, bah autant le travailler, hein. Il y a une serviette derrière, c'est très moche. C'est pas grave. Donc voilà, donc là, je bois mon café. Bon, il est presque 5h, hein, 17h, mais j'avais pas bu de café aujourd'hui parce que j'ai dû faire un truc pour mon père. Pour la clim, pour savoir si on trouvait quelqu'un pour la monter. Donc j'ai galéré à trouver, à remplir un dossier et tout. Donc voilà, je sais pas ce que ça va donner, on verra bien. Donc voilà, donc j'attends voir si on a un numéro de dossier pour pouvoir suivre l'évolution du dossier. C'est compliqué ça, parce qu'en plus on ne peut pas avoir de numéro. Et puis on a appelé hier 4 installateurs de clim, ils ont dit non, tant que c'est pas acheté chez nous, nous on monte pas. Voilà la réponse. Si c'est pas installé chez eux, ils montent pas. Alors c'est super, mais dans ce cas-là, pourquoi vendre des clims en magasin si personne les installe en fait? Je vois pas le rapport, il n'y a aucun intérêt à vendre des clims à part pour faire un chiffre d'affaires pour le magasin. Mais après, ils sont dans la merde parce que mon père est allé ce matin au magasin, ils ont dit nous on reprend si le colis n'est pas ouvert. Je veux bien, mais automatiquement, les colis sont forcément ouverts. Hein. Donc, bah, ils se font pas chier. Hein. Donc, ils reprennent pas si c'est ouvert. Donc, comme ça, ils remboursent pas. Mon père est dépité. Il doit chercher quelqu'un pour installer. Donc, voilà, c'est la galère. C'est vraiment la galère totale. On ne sait plus quoi faire. Lui, il est dépité. Il sait plus quoi faire. Donc, voilà. Donc sinon, comment dire, bah, tout va bien, oui. Ma fille, tais-toi. Voilà, donc je vais bien. J'ai un sommeil agité parce que je dors encore très mal. Je me couche à 2-3 heures du matin, voire 5 heures du matin. Puis là, hier à minuit, je dormais. À minuit, j'étais carpette, je dormais. Donc voilà, donc j'en ai profité. J'ai eu un sommeil bizarre. Puis après, dans la matinée ou vers midi, il y a des gamins qui ont gueulé juste devant l'emplacement parce qu'ils ont fait aboyer Laïa. Et il y a un gamin qui gueule. Il y a un chien, il y a un chien. Super. Mon père, il m'a dit qu'ils ont fait chier le monde. Ils ont pas envoyé les ballons dans l'emplacement pour faire chier Laïa. Super les gamins, merci. Mais les vacances, c'est pas encore. Donc allez à l'école et nous faites pas. Hein. Voilà. C'est gonflant. Les gamins, ils nous envahissent. Alors, j'ai rien contre les gamins, mais qui respectent en fait, ils savent qu'il y a un chien, qu'ils vont pas faire chier, ils vont jouer devant l'emplacement, ils vont lancer les ballons dans l'emplacement, tout ça pour faire chier le chien. Ça, j'ai l'impression que ça les amuse. Donc je ne comprends pas les gamins. Et donc voilà. Donc je vous dis.
Écoute, nous sommes donc le 30 juin. Je suis désolée, je ne vous ai pas pris hier. Hier, il a plu toute la journée. J'étais fatiguée parce que j'avais fait nuit blanche parce que c'était une nuit d'avant la nouvelle lune. Parce que la nouvelle lune, c'était hier mercredi. Donc le mardi, dans la nuit, je n'ai pas dormi. Voilà, j'ai toujours un jour de décalage en nouvelle lune, pleine lune. C'est chiant, le cycle lunaire, ça me gave. Donc voilà. Donc là, je viens de me réveiller. Je vais boire mon café. Alors oui, de 15h, presque 16h, mais j'ai glandé un peu au lit quand mon réveil a sonné. J'ai regardé mes messages. J'ai regardé donc les messages de Flo et Sandra qui m'avaient envoyé. J'ai répondu à certains trucs. Voilà, j'ai regardé un petit peu hein, le téléphone. Puis après, le temps que j'émerge, que je fasse ma toilette et tout. Donc voilà, comme vous pouvez voir, j'ai un peu recoupé là derrière mes cheveux. Un petit coup de tondeuse encore. Donc voilà. Donc en tout cas, je vais bien. Le temps est bien meilleur. Il fait soleil, enfin, parce que hier à 17-18 degrés, c'était pas possible. Il caillait, j'en pouvais plus. Donc voilà. Donc là, je vais donner les friandises à mes bébés. Puis voilà. Puis donc sinon, je pense que je vais essayer. Non, je sais pas. Je vais voir si je bouquine ou pas là un peu. Là, je vais essayer de bouquiner. Je vais voir. Parce que j'ai toujours beau livre, parce que bon, j'ai toujours beau livre à lire Les Promesses de Granger, j'ai toujours ce livre à finir, alors que j'étais à fond dedans, j'ai lu 300-400 pages d'un coup, et là, plus rien, j'arrive pas à avancer, j'arrive pas à m'y mettre. Mais après, on va dire que j'ai l'esprit totalement ailleurs. J'ai l'esprit totalement ailleurs, donc c'est compliqué. Donc malheureusement. Je pense totalement à autre chose en ce moment et j'arrive pas à me concentrer sur mon sur les sur la lecture. Alors que d'habitude j'arrive à me déconnecter du monde et à bouquiner, j'adore ça. Et c'est un truc que je ne pourrais pas perdre, c'est vraiment la lecture, c'est vraiment mon truc, c'est vraiment j'aime me dire que je peux me perdre dans la lecture, je peux me dire j'allais lire un livre, je vais imaginer le truc, je vais voir la scène, je vais. C'est vraiment le rêve de se dire, en fait, on peut voyager, on peut rêver rien qu'en ouvrant un livre. Et en fait, j'ai parlé avec mon ex hier et on parlait. Et puis, moi, j'ai dit une phrase qui m'a fait marrer. On parlait quelque chose. Il me disait, de toute façon, je ne trouverai personne et tout. Je sais quoi, moi, je ne juge jamais un livre à sa couverture. Et ça m'a fait marrer cette phrase parce qu'en fait, c'est vrai. Je ne vais. Alors, quand je dis ça, je parlais de jugement personnel. Genre, une personne, si physiquement, soit elle est canon, soit elle l'est pas, je vais pas la juger parce que si elle est canon, elle peut être infecte intérieurement et vice-versa. Si elle est pas canon, elle peut être adorable intérieure en fait. Et c'est ça, donc moi je ne juge pas un livre à sa couverture, même c'est pareil, si je vois un roman, je vais voir un livre, ok, la couverture va être jolie, je vais lire la quatrième de couverture, si ça m'intéresse pas, je vais pas l'acheter. Bon, c'est à rien à voir, hein. Les deux sujets n'ont rien à voir. Ouais, par contre, ouais, j'ai cette bague-là, mais je la voyais pas si grosse. Je la voyais pas si grosse, en fait. Elle est coupée par mon père, les chiens, c'est le bordel. Donc voilà, donc je disais que je ne juge pas quelqu'un par son physique. Je cherche plutôt à connaître la personne intérieurement parce que le physique, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, n'est que de passage. On change, on évolue. Regardez-moi, j'ai perdu 43 kilos, mon physique a changé. Et voilà, même le regard des gens a changé, ce qui est horrible. Hein. Moi, sur les sites de rencontres, avant, quand j'avais ma gueule d'avant, avec mes 43 kilos, j'avais le droit à des mecs du genre « Ah, oh, j'aime ça les grosses !» et du genre « Viens, on sort ensemble, de toute façon, t'auras personne d'autre !» Voilà les résultats. Donc, voilà, et maintenant, je me connecte très peu. Mais quand je me connecte, les mecs, ils sont différents. Du genre, ils vont aller lire ma description, chose qu'ils ne font jamais. Ils vont lire ma description, alors que d'habitude, ils ne le font jamais. Ils vont s'attarder un petit peu sur certains détails. Genre, il y en a, ils vont lire la description entière. Là, j'ai connu quelqu'un, il m'a dit, ouais, je tente ma chance alors que je suis fumeur et tu ne tolères pas la fumée. J'ai dit, t'as lu le descriptif en entier. Il fait bah ouais, voilà. Donc bon. Après, voilà, il y a des gens qui lisent, il y en a, ils s'en foutent. Mais je sais qu'avant, je n'avais pas autant de bah, c'était adopte, hein, donc de charme. Mais bah, après, le truc, c'est que moi, je fais le tri et il y en a très peu qui m'intéressent en fait.
Mais voilà, de toute façon, il y avait déjà très peu qui m'intéressaient de base. Mais c'est juste qu'en fait, les gens, ils jugent sur le physique, en fait. Et j'en ai parlé hier avec mon ex, il m'a dit la même chose. Que lui, bah, malheureusement, même si c'était un gars bien et gentil, les filles, si elles voyaient sa photo, elles le nextaient. Et je trouve ça triste, en fait. Les filles, ouvrez les yeux, l'homme parfait n'est pas forcément un canon. Après, moi, je m'en fous, hein. Tous les mecs que j'ai fréquentés, je les ai trouvés beaux. Alors, ils sont tous différents. Tous différents. Il n'y en a aucun qui se ressemble. Mais pour moi, ils m'ont tous plu. Ils m'ont tous plu. Je ne me suis jamais forcée dans une relation. Bon, malheureusement, j'ai eu des soucis dans des relations, mais voilà, je n'ai jamais eu de soucis. Ils étaient tous différents, entre grands, petits, gros, minces. Voilà. Et juste comme ça. C'est juste compliqué à se dire que, en fait, les gens, ils jugent trop. Ils sont trop sur le physique, ils sont trop dans le. Mais après, il faut dire que, avec la super télé-réalité, les gens, ils ne voient que par ça. Alors si dans la télé-réalité on mettait des gens lambda, moi, toi, tout le monde, voilà. Ah bah non, faut qu'ils mettent des gens beaux, mais le pire c'est qu'ils ont des cuits de mouette. Ils ont des cuits d'huître, total. Tu leur poses une question de culture générale, ils vont dire 1, 2 plus 2, 6. Ouais super, ok d'accord. Après, voilà. C'est comme il y a une fille, une fois j'avais vu un best-of, elle disait ouais, elle a dit quoi? Le 11 juillet, le 14 novembre. Non, ouais, non, bah non, en fait. Non, 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 c'est pas ça. Il se passe quoi le 14 juillet? Je sais pas. Bah non, c'est la fête nationale, mais c'est pas grave. Et le pire, c'est quand on leur demandait les dates des guerres mondiales. Alors, 14, 18, 39, 45, c'est trop dur pour eux, j'ai l'impression. Mais il y en a, ils savent même pas. Ils savent même pas ce qui s'est passé en fait. Ils savent pas les dates, ils savent pas ce qui s'est passé. Alors, si on leur parle des camps de concentration, de la Shoah et des rafles, tout ça, ils vont pas comprendre. Ah oui, oui parce que c'est beau d'être beau physiquement, mais il y a rien là-dedans. C'est de l'air total. Il y a que dalle. Tu vas leur poser une question, ils vont te dire mais qu'est-ce qu'elle me parle? Tu leur as dit ah putain t'es trop beau. Ah ouais j'ai fait des injections de Botox. Voilà, c'est ça le truc. Et c'est pour ça que je ne regarde pas à la télé, parce que tu jappes sur une chaîne, t'as les Marseillais, tu jappes sur une autre, t'as la Villa des Cœurs Brisés, tu jappes sur une autre, c'est bon, il n'y a que ça, il n'y a que ça. Alors ok, j'ai regardé les premières télé-réalités, genre Love Story, les Secret Story, les premiers Secret Story, mais même les Secret Story, pendant un moment, il y avait déjà chelou. Encore physiquement, ça allait. C'était pas des gens refaits. On va dire, bon, même s'il n'y avait pas des gens, on va dire, gros ou moches, ouais, ils étaient potables. Il y en a quand même un, une fois, il était censé avoir un cul de génie dans Secret Story, je sais plus, c'est le gars, il a dit, moi quand je suis triste, j'ai des branches qui poussent. Alors, faut qu'on m'explique la signification de cette phrase. Alors, si t'as un cul de génie, je veux bien. Et quand même, si je suis triste, quand je suis triste, j'ai des branches qui poussent. Alors, j'ai pas compris le délire. Alors, pourtant, c'était celui qui était censé avoir un cul de génie, hein, mais là, voilà. Mais bon, après, j'avoue, il y a eu le Secret Story avec Thomas et Benoît qui m'avait fait marrer, mourir de rire, la Josiane et la machin, là. Ça, il m'avait fait mourir de rire, j'avoue. Mais après, sinon, personnellement, bon, les Secret Story, Love Story, j'ai pas trouvé ça très intéressant. Bon, après, j'étais jeune, hein, mais je veux dire, enfermer des gens pour les regarder toute la journée, c'est comme si t'enfermais des rats de laboratoire, en fait. Ils faisaient des expériences sur eux. Il voulait voir ça faisait quoi de rester, je sais pas combien de temps il restait, de rester, je sais pas combien de jours, sans télé, sans rien, coupé du monde. Il savait pas ce qui se passait dans les infos quand même. Quand même grave. Alors après, je sais pas si tout ce qui est marseillais et tout, ils ont un peu plus accès aux infos. Après, c'est eux les infos. C'est eux les infos avec Maëva Guénam ou je sais plus. Attends, comment il y a Maëva, il y a. Attends, elles sont cheloues. Hein. Il y a l'autre là qui s'est fait totalement refaire là. C'est des gens, mais c'était. Alors Maëva Guénam est très particulière, mais l'autre là, il y avait une autre là qui a été totalement refaite alors que physiquement elle était grosse. Et, elle a tout perdu, je sais plus. C'est quoi. Non, c'est pas Maëva ça. Je confonds, alors j'ai confond les deux. J'ai plus les noms. Mais quand même. L'autre était très bien, elle avait des formes, mais en fait, elle a fait quoi? Elle sait tout refaire. Maintenant, c'est du plastoc.
Maintenant, elle est en plastoc. Entre l'autre, alors je sais plus c'est laquelle, je crois c'est Maeva qui a dit que c'était refaire faire les parties intimes. Ouais, je suis comme une fille de 12 ans. Mais comment dire en fait? Qui voudrait avoir ça d'une fille de 12 ans? C'est quoi l'intérêt? À part appeler les pédophiles, hein. Là, faut qu'on m'explique personnellement, à part t'appeler les pédophiles en disant ouais, je suis comme une fille de 12 ans. Ah ouais, bah alors là, je vois pas l'intérêt, hein. C'est vraiment grave de prôner la chirurgie esthétique comme si c'était voilà. Aujourd'hui, je vais me faire gonfler les lèvres. Aujourd'hui, je vais me refaire les seins. C'est pas comme si t'allais en magasin faire du shopping en fait. Mais j'ai l'impression que ces gens-là de télé-réalité, ils vont chez les chirurgiens esthétiques comme s'ils faisaient les soldes. Voilà. Ils rentrent chez un chirurgien esthétique, ils vont feuilleter leur catalogue. Oh, je me ferais bien ça. Comme ils ont les moyens. Parce que être stupide à la télé, t'es payé des millions. Je veux bien. Mais quand même. Ils ont aucun talent. Ils ont aucun talent, personnellement. Y a aucun qui a un talent. Ils sont stupides. Alors, ok, ils sont potables. Moi, personnellement, je les trouve très moches. Ils sont tellement refaits qu'ils en sont moches. Ils sont pas naturels, ils sont pas naturels. C'est du plastoc, ils sont figés, limite tu les vois sourire. Ils peuvent pas plus parce qu'ils sont figés. Ils ont aucune expression, ils ont pas de rides, ils ont aucune ride parce qu'ils ont fait au Botox. Donc pour moi, voilà, c'était ne pas juger un livre à sa couverture parce que une personne pas très belle peut être adorable, cultivée. Et le reste, on a le cul, on a le truc de la télé-réalité, quoi. Être beau et stupide. Voilà. Stupide et surtout ignoble. Ignoble. Parce que ils profitent de leur malheur pour faire de la pub. Genre, ouais, j'ai divorcé de machin, je vais me marier avec Bidule, on va vivre à Dubaï. Mais merci, mais en fait, on s'en bat les couilles. Moi, je sais tout ça, alors que je ne regarde pas la télé, mais ça, c'est tous les gens sur Facebook. Il y a des groupes. Vous êtes au courant du mariage ou du couple de Bidule Du couple de Bidule Bah non, voilà. C'est compliqué, hein. Allez, je vous dis à toutes. Hey, coucou, nous sommes donc le 1er juillet. Donc voilà. Donc oui, changement de mois. Je suis fatiguée, j'en peux plus. Ça avance trop vite, comme ça avance lentement. J'ai encore passé une nuit catastrophique. J'ai encore. Pété un câble, j'ai dormi très mal, je suis fatiguée. Et là, en fait, bon, on a ma nièce jusqu'au 12, 11, jusqu'au 11 juillet. Et en fait, là, soir, comme d'habitude, mon père, il promène Laïa. Elle voulait prendre Muffin pour aller promener. Puis après, je dis, si l'infirmière est passée, je prendrai Cannelle, mais d'une laisse à part, parce que comme ça, Cannelle ne sera pas tirée par Muffin et elle pourra marcher à son rythme. Et peut-être qu'elle tiendra les 4 km, hein, on ne sait pas. Donc je verrai. Donc en tout cas, si je fais la balade, je vous prendrai un peu. Je filmerai les chiens. Mais est-ce que je pense que Canet, je la prendrai en laisse-main libre? En laisse-main libre. Façon de parler, je n'ai pas de laisse-main libre. Mais je prends la laisse et je l'accroche autour, là, comme ça, en bandoulière. Et après, elle a la longueur. Je la bloque pas, la longueur, elle fait ce qu'elle veut. Puis Muffin, lui, il va courir, revenir, tout ce qu'il sait faire. Entre Laïa qui marche droit devant elle et Muffin qui va marcher, il va aller au bout de sa laisse, il va revenir en courant, il va repartir. Lui, je crois qu'il faut au moins 8 km de marche. Hein. Il n'en fait pas 4, il en fait 8. Parce que bah, il faut qu'il s'énerve et puis il est content de sortir. Donc voilà. Donc là, c'est compliqué parce que bah, ma pauvre Georgette, elle est coincée au mobile. C'est pas de sa faute, mais juste. Une pouffe qui l'a pris à partie et j'aime pas ça parce que comment dire, c'est une adulte et elle a pris à partie une gamine quoi. Donc déjà ce comportement, en plus c'est une vacancière, donc elle a aucun, on peut me parler, c'est même pas un droit, mais elle devrait même pas ouvrir sa bouche en fait. Tout ça pour une histoire stupide. Elle a pris donc ma nièce à partie et voilà quoi. Donc ma nièce a peur de sortir. Voilà, super hein. Elle a peur de la piscine, elle a peur. C'est quand même grave, hein. Enfin, maintenant, si je sors dans le placement, j'espère qu'elle va pas me voir, mais c'est quand même grave. Les gens, ils sont adultes, la dame, elle se. Quoi, la dame, la pouffe, là, elle se comporte comme une gamine de 8 ans. Ouais, si je te vois. Non, mais non, en fait.
T'es adulte, tu dois respecter en fait, tu dois montrer l'exemple et pas t'en prendre à une ado, quoi. Mais bon, j'ai l'impression que la mère est stupide. Mais bon, sans commentaire. Donc voilà. Donc j'ai dit à ma nièce qu'elle n'avait pas à avoir peur et s'il y a un souci, elle va se plaindre. Surtout que les animateurs sont de son côté. Donc si elle a un souci, elle va se plaindre aux animateurs et puis l'autre dindon là, elle va se calmer. Mais bon. C'est compliqué, hein. J'ai l'impression que les gens ne comprennent pas. Parce que comme ils sont en vacances et qu'ils ont payé, ils croient qu'ils ont tous les droits. J'ai l'impression que c'est comme ça. Quand on a des vacanciers dans le camping qui louent des mobil-homes, ils se croient sous permis. Ils font du bordel. Ils font genre là dans le mobil-home d'à côté, là, je crois qu'il y avait des gens ou des gamins qui couraient dans le mobil-home cette nuit. Ça tapait, il y avait un bordel monstre. Il courait ou il marchait fort. Et en fait, la nuit, bah, tu fais pas de bruit en fait. Alors moi, je dors pas, certes, mais je fais pas chier mon monde. Je suis dans ma chambre, je bouge pas. J'écoute, je regarde des films, j'écoute de la musique, je bouquine, voilà quoi. Mais je fais pas de bruit. Ça viendrait pas à l'esprit de mettre la musique à fond, la porte ouverte et de faire chier mon monde en fait. Mais j'ai l'impression que ouais, maintenant les gens quand ils... Oui, donc désolé, j'ai été coupée. Donc j'ai l'impression que quand les gens ils payent, ils se croient tout permis. Ils vont foutre le bordel, ils vont casser des choses, ils vont faire n'importe quoi parce que ils payent, ils vont consommer au bar, machin. Voilà, bon, ils sont en vacances certes, mais quand tu loues un mobil-home, tu fais attention. Nous personnellement, on paye aussi à l'année. On a un mobil-home, certes, mais on paye l'emplacement à l'année, on le loue. On n'est pas propriétaire de l'emplacement, donc on loue. Puis j'ai l'impression que les gens, quand ils sont locataires d'un mobil-home, ils s'en foutent totalement. Ils prennent pas soin des choses. Une fois, on avait un voisin, il avait loué son mobil-home, il avait genre des rideaux en lamelles de fer, là. Il y a des gamins, ils se suspendaient. Ils se suspendaient à ça, ils s'accrochaient à ça, ils s'étaient déchirés. Ils ont joué au foot dans le mobil-home quand même. Et après, on a eu un autre ami aussi qui louait son mobil-home, mais pour. On avait un ami qui louait son mobil-home pour 4 personnes, et franchement, il avait dû canasser le canapé pour pas qu'il soit ouvert. Un jour, il est revenu, il a vu que le canapé avait été cassé. Donc, ça veut dire que les gens, ils étaient plus de 4 et ils ont ouvert le canapé. C'est quand même grave, le mobil-home a été loué pour 4 personnes, pas pour 6. Mais les gens, ils ne comprennent pas ça. Pour eux, ils louent, donc ils font ce qu'ils veulent. Les chiens, s'il vous plaît, ils font ce qu'ils veulent. J'ai l'impression que c'est la mode, on loue, donc on fait ce qu'on veut. Je ne comprends pas parce qu'il n'y a plus aucun respect, en fait. Il n'y a plus aucun respect. Il n'y a plus de respect, il y a... Malheureusement, il y a des gens qui respectent et il y en a, hein, franchement, c'est à la one again, quoi. C'est je loue, donc je fais ce que je veux. Je fous du bordel, bah, comme la meuf là, je vais faire chier les gamins, je vais les prendre à partie, mais en fait, t'as rien à dire, quoi. Donc voilà, puis c'est comme ça, tu comprends pas les gens, tu ne comprends rien au comportement des gens. Puis les gens, des fois, les parents, ils sont encore plus cons que les enfants, c'est ça le truc. C'est que les parents, des fois, ils sont vraiment cons. Alors les enfants, des fois, c'est pas mieux. Mais quand même, on a des trucs, on se pose des questions. Des fois, on voit là le coup de la mère qui s'en prend à ma nièce. Elle a pas 8 ans, la mère, quoi. Donc, mais elle a pris ma nièce en grippe et je ne comprends pas ce délire. Ma nièce, elle a peur. Elle a peur de sortir quand même. Elle est même pas à la piscine aujourd'hui alors qu'il fait beau. Elle est même pas allée à la piscine, quand même. C'est quand même grave. Elle a peur de se faire noyer ou quand elle sort de l'emplacement, elle dit j'espère qu'elle va pas me voir. Mais je lui ai dit mais tu sors, tu t'en fous d'elle en fait. Et si y a un problème, tu vas te plaindre à l'accueil ou aux animateurs parce qu'ils sont de ton côté. Voilà, il y a des trucs que je ne comprends pas, ce comportement de je paye donc je fais ce que je veux. C'est je paye donc je suis la reine du monde. Ben, en fait non. Et c'est ça que je comprends pas, c'est les locations, c'est vraiment. Alors je dis pas que les propriétaires sont mieux, hein, mais il y a les locations, c'est vraiment des fois des cas. Hein, il y en a qui sont très bien. Mais des fois tu te dis, genre, des fois tu as des familles, ces familles bidochons,
Genre, aux familles manouches, hein. Il y a des trucs qui traînent partout. Genre, tu vas passer devant un mobil-home, tu vas voir des serviettes, du linge qui étend. Alors, je veux bien, hein. T'es tendu linge, ok. Mais c'est même pas sur un ce que j'appelle un tankerville, ou bon, un sèche-linge. C'est vraiment posé sur les rambards de la terrasse, quoi. C'est vraiment, il y a tout ce qu'il y a, tout et n'importe quoi qui traîne. C'est quand même grave, quoi. Des fois, tu vois des poubelles qui traînent parce qu'ils ont pas, ils sont pas sortis aux poubelles. Tu fais OK. Mais bon, franchement, je comprends pas. Donc, voilà. Et pour en revenir au truc de télé-réalité que je disais hier, je voulais aborder un autre sujet. Je sais plus c'était lequel. Oui, donc j'avais retrouvé le nom, je vous l'avais mis, là, Sarah Frézou, là. Je vous l'avais remis. Et après, je parlais que les gens, ouais, ils sont trop dans le matu-vu et que en fait, dès qu'ils peuvent faire parler d'eux, ils font parler d'eux, ils vont vendre n'importe quoi, des pilules amaigrissantes, de la crème anti-rides, de la crème anti-cellulite. Il y en a beaucoup qui font Shoshape aussi comme partenariat, alors que ça, c'est dégueulasse. Shoshape, je n'ai jamais compris le principe. C'est imbouffable, c'est pas bon et c'est cher. Voilà. Tous ceux qui font Shoshape et tout, je ne comprends pas. Après, il y a quoi? Il y a plein de gens. Je sais que ma nièce regarde beaucoup de trucs comme ça. La télé-réalité, elle est plus calée que moi. Elle regarde tout. Par contre, elle regarde aussi Thibaut and Thibaut, je sais pas quoi, le mec qui fait du sport là. Mais ce mec, à ce qui paraît, il est ignoble. À ce qui paraît, il a fait une vidéo et il a dit que si on était gros, c'est parce qu'on était des flemmards. On faisait pas de sport parce qu'on était des flemmards. Alors voilà, c'est sympa, hein, mais le mec, c'est pas parce qu'il fait du sport tous les jours que c'est un coach sportif ou je sais pas quoi, qu'il doit critiquer les autres, en fait. On n'a pas tous la même vie. Alors lui, son travail, c'est faire du sport, c'est filmer toute la journée. Il y en a, ils ont une vie à côté. Lui, il est influenceur. Il y en a, ils ont une vie. Il y en a, ils ont un travail. Il y en a, ils ont des enfants. Ils n'ont pas le temps de faire du sport. Moi, je déteste le sport, j'en ferai pas. Mais voilà. C'est chacun son point de vue. Mais si on est gros, c'est pas forcément parce qu'on est flemmard. Il y en a, ils sont malades. Il y en a, ils ont des hyperthyroïdies. Ils ont des maladies de la thyroïde. Ils ont des maladies de je sais pas quoi. Ça les fait grossir. Ou alors, ils ont des médicaments style cortisone. Tout ce qui fait grossir. Et c'est pas une question d'être flemmardise. C'est une question d'être malade. Ça, je comprends pas. Alors oui, moi, je suis grosse encore. Ouais, je suis ronde. Oui, j'ai été flemmarde, je l'avoue. Mais après, voilà quoi. Je me suis pas dit. Ouais, en fait, c'est juste que les chiens, ça me viendrait pas à l'esprit de dire un mec mince, arrête de faire du sport, t'es moche en fait, parce que t'es accro au sport. Alors les gros, eux, ils sont accros à la bouffe, gros cliché. Et les mecs tout minces, tout queux, ils sont accros au sport. Mais là, par contre, c'est vrai. Parce qu'ils font attention à leur alimentation, ils font je sais pas combien d'heures de sport par jour, par semaine. Voilà, c'est ça que je comprends pas, en fait, c'est ce comportement, c'est ces gens qui jugent. Alors ok, moi hier, j'ai jugé les gens de télé-réalité, mais c'est juste que c'est des poupées Barbie Ken, en fait, c'est ça. Et après, je voulais revenir au fait que les gens, les jeunes qui regardaient ça, personnellement, on voit quand même des gens dans la télé-réalité qui parlent de ouais, j'ai couché avec Bidule et machin et truc. Et que je sors avec Bidule qui est sorti avec machin. C'est un truc que je ne comprends pas, en fait. C'est comment on peut raconter ces histoires de coucherie comme ça à la télé, sachant qu'il y a des enfants qui regardent. Donc les enfants ils vont s'identifier à ça, ils vont se dire ah pour être connu, faut être beau, stupide et en plus coucher. Voilà. J'ai l'impression que la nouvelle génération va se dire pour réussir faut coucher, faut être beau, refait, et après l'intelligence ça passe après. Ou ça est tellement secondaire qu'il n'y en a pas assez du vent. Et je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette addiction, cet engouement pour la télé-réalité. Ça me débecte. Ça me débecte. Je ne vois pas l'intérêt à part pourrir l'enfance de nos enfants, en fait. Ouais, donc pas des miens, mais l'enfance. Je suis en cours toujours, c'est chaud. À part pourrir l'enfance. Excusez-moi, coupé par mon père.
Donc voilà, donc c'est juste pour revenir donc aux téléréalités que je ne supporte pas parce que ça donne une mauvaise image de la société, que les enfants s'identifient à ça. Je ne comprends pas cet engouement, je ne comprends pas ce délire de dire que pour réussir, faut être en plastoc, stupide, voilà. Parce que ça pousse même plus les enfants à apprendre à l'école en fait. Ils vont se dire, je m'en fous, moi je veux être influenceuse ou. Je veux être machin, voilà, c'est des trucs que je ne comprends pas, c'est vraiment grave. Donc voilà, donc je vous dis à toutes. Et voilà, je vous avais dit que je filmais un peu la balade. Alors ma fille est tenue par mon père, Laïa est tenue par ma nièce et moi j'ai la petite mamie là, j'ai même pas de laisse. Ouais. Elle en... Donc voilà, donc c'est mon père qui promène la petite crotte, puis ma nièce qui promène le gros chien, va comprendre. Mais bon, c'est pas grave, hein. Moi j'ai de la chance, mamie elle avance pas. Ma fille avance! Ah, ma fille, il a peur de tout. Allez ma fille! Allez mon bébé! Mon père a du mal à le gérer. Voilà, je viens de rentrer de la balade avec mon père et ma nièce. Vous avez vu un petit extrait juste avant. J'en peux plus, il fait chaud, j'ai chaud. Cannelle est carpette au bout de sa vie. Donc je voulais dire surtout que j'allais couper, clôturer le vlog ici parce qu'il est assez long. Et que moi, plus je galère à les mettre en ligne parce que j'ai une connexion vraiment naze. Donc voilà, donc je vous dis à toutes et n'hésitez pas à commenter, partager. Et à vous abonner et surtout activer la petite cloche pour plus de notifications. Salut!